Voyager entre Lyon et Budapest sans dépenser un seul euro, c'est le défi fou qu'ont brillamment relevé Quentin et Thomas, deux jeunes diplômés de l'INSA de Lyon entre octobre et novembre dernier. Leur projet baptisé Stop Nous si tu peux a pour objectif de prouver qu'il est possible de voyager sans argent en comptant uniquement sur l'entraide, l'échange et la bienveillance des rencontres. 23 jours et 2300 kilomètres où les deux jeunes ont donc fait de l'autostop depuis la France jusqu'à la Hongrie avec au bout une mission réussie et de belles rencontres. On écoute Thomas nous en parler. Quand on faisait du porte-à-porte, voilà, on tapait chez les gens. Bonjour monsieur, bonjour madame, on est deux voyageurs français, on voyage sans argent. Est-ce que par hasard, dans l'optique de rencontrer les locaux, vous pourriez nous héberger pour une nuit? Donc là, les gens disent oui des fois, ou disent non, ou disent peut-être, ils s'intéressent au projet. Et quand on arrive du coup à établir un contact avec eux, bah, en fait, les barrières sociales, elles sont complètement cassées. Parce que nous, on fait un énorme pas vers eux, et eux font un gros pas vers nous aussi. Ce qui fait qu'en fait, on a eu des relations avec des gens assez fortes, que j'ai jamais eu avec des gens que je connais depuis des années sur Lyon. Et du coup, voilà, ces partages avec ces locaux, de toute nationalité, de toute culture, de différentes richesses, bah, ça crée une diversité qui nous a beaucoup plu. Et Thomas et Quentin souhaitent désormais faire part de leur expérience sur leur page Facebook, sur leur chaîne YouTube et également lors de conférences. Ils envisagent également de retenter un voyage et bien sûr sans débourser le moindre euro.